aujourd'hui dans le vlogtobre numéro 16. J'ai dormi avec mon bigoudi. Oui, écoutez, vous allez voir pourquoi maintenant. C'est prodigieux. Là, franchement, on dirait un Beatles. Mais c'est la seule manière que j'ai de casser mon épi devant pour justement avoir ce vrai effet frange rideau. Donc là, du coup, je vais prendre mon petit déj. Je vais faire ça. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 16. Il est 8h15 du matin. J'ai un petit peu de temps pour prendre mon petit déjeuner avant d'aller déposer Jelly chez mes beaux-parents, puis d'aller directement à la gare et foncer du coup à Paris. Je me suis fait mon petit déj en ce moment salé que j'aime bien quand j'ai pas envie de faire des œufs. Vous l'avez vu, c'est des crisp rolls avec du cottage cheese, du sel et des chili flakes. Putain, c'est très très bon. Avec un café, évidemment. Bon, je vais essayer de profiter de mon petit déj. Je viens de déposer le colis. Le colis étant Jelly chez mes beaux-parents. Je la récupère du coup vendredi. Et là, Henri, lui, il est à Amsterdam toute la semaine pour un événement. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé peut-être l'année dernière, qui s'appelle l'ADE. C'est l'Amsterdam... Non. Amsterdam Dance Electronic. Non. ADE. Je sais plus. Bref, c'est genre un espèce de... C'est genre une colonie de vacances pour tous les DJ, les producteurs, etc. Une colonie de vacances, j'abuse de ouf. C'est vraiment un endroit où ils se rencontrent tous, où ils font des sons ensemble, où ils sont enfermés en studio pendant une semaine ensemble. Et ça se passe à Amsterdam, donc en fait tous les jours ils ont des nouvelles sessions avec des nouvelles personnes, etc. Bref, donc là du coup il est parti toute la semaine. Là, je file parce que du coup mon train est dans une heure. Franchement, j'ai pris grave de l'avance, comme d'habitude je suis tellement quelqu'un de stressé. Des fois j'aimerais ne pas être aussi stressé pour pas prendre autant d'avance et pas être toujours genre c'est déconné. Enfin bon bref, enfin quoi que quoi, hein. Ah j'en ai quand même pour ah non, j'en ai quand même pour 27 minutes là. Avec les embouteillages, bon bah voilà. Dites-vous, ma voiture est tellement petite que j'ai été obligée de baisser un siège pour mettre ma valise derrière. C'est ça d'avoir une Fiat 500. Vous commencez à comprendre l'intérêt du bigoudi là, je pense. Je passe du coq à l'âne. J'ai bu qu'un seul café pourtant. Allez, c'est parti. Briac, est-ce que tu m'en veux encore d'avoir été traître? Je t'en voudrais toute ma vie, Marie. Mais arrête. Non, mais t'es horrible. Non, mais pour de vrai. Ouais, je t'en ai jamais voulu. Voilà. Et je t'apprécie toujours pour la personne ouais. que tu es. Ouais. Ouais, ouais. Tu m'as quand même dit que j'étais une grosse traîtresse. Mais t'es une grosse traîtresse. Ouais, ouais. Une grosse traîtresse. Mais t'aurais... Et tu le resteras. T'aurais kiffé toujours. Faire la même. J'aurais kiffé. Être voilà. J'avoue que j'aurais kiffé. Donc t'as le seum. T'as le seum, t'as été éliminé. T'as été éliminé, j'ai gagné, t'as été éliminé. On arrête d'en parler. We are ready, ça va? T'as l'air au top, en tout cas, ça fait plaisir. Ah si! Regarde, ouais, c'est ça. Tu vas ne pas y attends! Attends! Ah, regardez, je vais vous montrer un petit peu les backstage de ce deuxième épisode. Regardez ça. Lolo, elle est en dep. J'ai faim. Comment ça, t'as faim? Mais ça va pas tarder là. On dirait un petit gremlin qui grogne. C'est un peu ça. J'ai faim. Ah bah, putain. T'es chiante, hein? Du coup, c'est la première fois que tu le vois en vrai. Ouais. C'est cool, hein. C'est très sympa. Ouais, elle va se diffuser un petit Attends. Peu après. Ça fait ambiance boîte de nuit, là. Ouais, c'est ça. On voit plus personne. On a justement un ami qui s'est senti mais ultra mal, alors qu'on a vraiment eu peur que d'un coup, il pète un plomb. On s'était mis dans une pièce pour dormir et voilà, bon, on était jeunes, on laissait faire peur, tu vois, on avait mis des duvets, un petit chocolat chaud et tout. En vrai, je veux pas. Est-ce que vous pourriez prendre ma défense, s'il vous plaît? Parce que c'est-à-dire que là, ça parle de masque à la cannelle alors que moi, j'ai rien demandé, je suis là pour raconter des histoires paranormales. C'est quelque chose que vous avez pas compris. Une histoire qui est arrivée à un ou une de vos proches, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que peut-être qu'elle se retrouvera vivre. C'était excellent. C'est chaud. Ah, juste. Regarde, on dirait que j'ai.
Il est gentil, il me signe mon livre. Alors, c'est... Ah, t'es gaucher. Ouais, je suis gaucher. Tu sais que c'est censé porter malheur. Heureusement que t'es pas né il y a quelques années auparavant, sinon t'aurais forcé à être droitier. Purée. Ouais, non, non, bah alors là sinon je vais me fâcher, ça va. Heureusement, t'as pas été traumatisé par l'émission, ouais, ça va, je t'ai pas traumatisé. Purée les gars, quelle aventure. Il est 23h30, je viens d'arriver à l'hôtel, je suis éclatée. On va se faire un petit récap de ce qui s'est passé. À midi, en fait, ce qui est ouf, c'est que de midi à 17h, j'étais avec Briac de Pékin Express, mais que vous avez sûrement déjà vu dans Les Traîtres aussi, si vous avez regardé ma saison. Et c'est la personne avec laquelle j'ai le plus accroché pendant Les Traîtres. On est vraiment restés potes au-delà de l'émission, et du coup, bah voilà, on s'est revus là, et c'était vraiment trop trop cool. J'avoue que j'ai pas du tout vu le temps passer, c'est passé hyper vite. Et ensuite, du coup, j'ai foncé à l'agence pour l'épisode du Bureau des Lettres Oubliées avec Max Guys, et c'était trop 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 cool. Là, enfin, j'étais choquée, enfin, je suis encore vraiment très très choquée de voir tous les retours qu'il y a eu, tous les DM, les messages, les gens qui ont regardé le live, il y avait trois fois plus de monde que la dernière fois, c'était incroyable, enfin franchement, merci beaucoup, c'était génial de faire cette émission, en plus Joris, donc Max Guys, il a trop joué le jeu, tout ce qu'il a raconté c'était trop cool, les histoires étaient trop bien, la diction et tout, enfin vraiment, c'était chant, mais... du coup la rediff est bientôt dispo sur YouTube et elle est déjà disponible normalement pour les personnes qui sont abonnées, du coup qui ont l'abonnement, vous savez, membre à la chaîne YouTube sur ma chaîne principale, et voilà, sinon elle sortira dans une semaine. Mais je suis trop contente parce que ça s'est vraiment bien passé, et j'appréhendais un peu parce que je suis pas comme vous l'avez vu je pense dans le vlog d'hier, je suis pas dans le meilleur des moods, mais du coup c'était vraiment trop cool et ça m'a vraiment remonté le moral, c'était trop trop bien. Donc voilà, là je vais me démaquiller, aller me coucher, je suis vraiment très fatiguée, et demain matin je récupère Sarah à la gare, puis je récupère Emily à la gare et on part en enquête paranormale. Donc demain ça va être un vlog un peu les behind the scenes de l'enquête paranormale. Vous avez été grave nombreux et nombreuses à me demander d'en refaire une avec notre médium Emily, et du coup ça sera le cas demain. Trop trop hâte de partager ça avec vous. En tout cas, si vous avez regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter le mot lettre, comme les lettres, du coup le bureau des lettres oubliées, dans votre commentaire. Merci d'avoir regardé ce vlogtobre jusqu'au bout, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans un nouveau vlogtobre. Ciao.